Bien, alors donc comme je disais donc dans le dernier cours qu'on avait fait donc concernait le développement natif Android. On avait les concepts de base, comment développer une application mobile en utilisant donc le système Android. Nous avons également vu quels sont les outils qu'il faut installer. Alors principalement, il y a le SDK Android donc que vous avez installé dans votre machine, le GDK. Le kit de développement Java, mais également Android Studio. Donc, vous avez vu comment utiliser les émulateurs, donc, comment configurer avec le SDK Manager donc les différentes versions des API Android, principalement que vous avez utilisées. Également, nous avons vu comment en fait développer une simple application Android, donc sans trop aller dans les détails. Et j'ai expliqué la dernière fois que pour développer des applications mobiles, en fait, il y a deux approches. Il y a l'approche native et l'approche cross-platform. Alors, l'approche native, donc, je vous rappelle, l'idée c'est quoi? C'est pour le système Android, vous développez une application en utilisant directement le langage Java ou bien Kotlin, donc notamment pour développer des applications Android, vous utilisez du développement natif. Et après, si vous voulez développer une application pour iOS, vous utilisez d'autres technologies, notamment Objective-C, Swift ou avec la plateforme Xcode. Et si vous voulez encore développer une application pour Windows Phone, sachant que Windows Phone c'est pas très en fait utilisé, donc vous utilisez également C Sharp avec des outils qui sont différents. Alors, d'une manière générale, les entreprises, en fait, le développement mobile a beaucoup évolué ces dernières années. Et du coup, donc, il y a des technologies, il y a des frameworks qui permettent de faciliter le développement d'applications Android, plutôt d'applications mobiles d'une manière générale. Et du coup, donc, il y a la notion de cross-platform. Alors, pour faire des cross-platform, ça veut dire vous développez l'application une seule fois, vous écrivez le code une seule fois, et à partir de votre application, vous générez différentes versions. Vous générez la version native Android, la version iOS, la version Windows Phone et éventuellement d'autres plateformes pour quelques technologies. Au niveau des cross-plateformes, comme je disais, il y avait des technologies qui étaient utilisées, principalement, on avait parlé du développement en fait hybride. Notamment avec des frameworks comme Ionic, Cordova, dans lequel on va se baser sur du HTML, CSS, JavaScript, pour pouvoir, tout ce qui est la logique présentation, c'est du HTML, CSS, et tout ce qui est l'interactivité, c'est du JavaScript, ça c'est un modèle. Mais après, pour communiquer avec les fonctionnalités natives du téléphone, donc on a besoin d'utiliser un outil comme Cordova. Alors Cordova qui est un outil qui permet qui se présente sous forme de plugins. Chaque plugin Cordova se compose de deux parties. Il y a la partie, on va être une partie JavaScript qui va être appelée par votre application. Et l'autre partie du plugin, donc ça peut être du code natif, que ce soit du Java, soit du Objective-C par exemple. Et après, il y a React Native également qui a proposé une autre approche. Et tout récemment, quelques années, donc il y a en fait Flutter, qui est une technologie, on va dire un framework, qui a beaucoup changé un peu, on va dire, le paysage du développement mobile. Donc, ce qui fait que donc c'est une technologie qui est très très, ouais, très 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 utile en tout cas pour développer des applications mobiles. C'est pour cela que cette année nous allons l'intégrer dans le programme de développement mobile et comme ça vous-même vous allez voir comment développer des applications mobiles basées sur Flutter. Alors donc justement le cours d'aujourd'hui donc ça concerne Flutter mais en même temps ça sera l'occasion de vous rappeler un petit peu quelque chose. Des choses dont on avait déjà parlé. Flutter, c'est quoi? Flutter, d'abord, c'est un framework qui a été développé par Google et qui permet de créer des applications natives pour les systèmes, aussi bien pour Android que pour iOS. Bon, il n'y a pas de Windows Phone, parce qu'on estime pour le moment que pratiquement c'est les deux systèmes qui sont généralement très, très utilisés. Et pour développer justement ces applications-là, en fait,
Flutter va s'appuyer sur un langage de programmation qui a été créé par Google même, qui s'appelle Dart. En fait, qui est un langage. En fait, la première version de Flutter, en fait, c'est pas la première version, mais la version 1. Parce qu'en fait, avant, il y avait la version bêta, la version 0.x. Alors, la version 1.0 de Flutter a été pratiquement publiée donc, le 4 décembre 2018. Donc, ça veut dire que c'est tout récent, c'est pas très, très, très loin. Et depuis ces 2 années, pratiquement, c'est extraordinaire, c'est que pratiquement les développeurs, en fait, les développeurs des applications mobiles sont en train d'adopter donc cette technologie comme l'une des technologies avec React, avec Ionic, globalement. Ce serait plutôt donc des technologies qui sont très intéressantes à utiliser pour développer des applications mobiles. Alors, Dart, c'est un langage de programmation. Bon, alors la question qu'il faut se poser encore, c'est que pour les développeurs, bon, voilà un nouveau langage pour développer des applications mobiles. Pourquoi Google ne s'est pas basé sur les langages classiques que en fait, les développeurs ont l'habitude d'utiliser? Pourquoi pas Java? Pourquoi pas Kotlin? Parce que là, ils développent aussi Kotlin. Enfin, c'est Kotlin pour les applications Android. Pourquoi pas JavaScript, etc. Donc ça, c'est toute une histoire. Alors en fait, Google, en fait, en 2011, donc il a développé ce langage Dart, donc c'est-à-dire une communauté de développeurs, en fait Google, ont développé le langage Dart. C'était l'objectif, c'était de remplacer ou bien de concurrencer JavaScript. Donc j'en avais déjà parlé. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait on estimait que JavaScript en quelque sorte, il présentait quelques défauts, c'est-à-dire en termes, en tout cas structure, la manière avec laquelle on développait des applications JavaScript. C'est pas structuré, c'est assez compliqué de développer une application très structurée avec du JavaScript parce que il n'implémente pas les concepts, tous les concepts fondamentaux de, on va dire, de l'orienté objet. Donc ça a été créé au début comme ça. Et pour justement créer le langage Dart. En fait, Google, il s'est basé sur, il a pris en quelque sorte les avantages des langages comme Java, des langages, on va dire, compilés et interprétés comme Java. Il prend les atouts du langage Java, c'est-à-dire tout ce qui est la structure, la manière de développer, les pratiques de développement, ce qui est forcément quelque chose d'assez intéressant. Mais en même temps, il prend également les avantages de JavaScript. Parce qu'en fait, dans JavaScript, les développeurs aiment beaucoup de choses dans JavaScript, principalement cet aspect dynamique, cet aspect de ne pas être obligé de déclarer tout, créer facilement à la volée des objets avec la notation JSON, JavaScript Object Notation. Donc, tout ça, c'est également. Il y a des données qui ont changé tout récemment, c'est la notion de ce qu'on appelle la programmation réactive, c'est-à-dire. Comment utiliser donc c'est-à-dire développer des applications en utilisant donc la notion de programmation réactive. Donc, ce qui fait qu'il a pris en quelque sorte en considération tout ça, il a créé un langage qui est très intéressant à mon avis, mais il n'a pas pu concurrencer JavaScript. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'entre-temps, JavaScript a également décollé avec TypeScript, avec pratiquement le. On va dire les normes ECMAScript 6, etc. Donc, ce qui fait que donc Dart il était resté dans on va dire les tiroirs de Google jusqu'à ce que justement il a pu développer donc ce framework Flutter. C'est pour développer des applications cross-platform pour les applications mobiles, des applications natives mais multiplateformes. Alors, c'est ce qui a donné encore un grand élan à ce langage Dart qui a été utilisé principalement pour développer donc ces applications mobiles. Donc, Flutter, c'est un a trouvé donc c'est-à-dire le langage Dart a retrouvé donc a trouvé sa popularité à travers ce framework Flutter qui offre une manière typiquement complètement différente en fait. Très différentes des approches qui sont adoptées par des technologies comme par exemple Ionic et comme React Native. Alors je vous rappelle la différence. Donc juste c'est quoi la différence? Ce qu'il faut noter, la différence entre une technologie hybride comme Ionic, une technologie comme React Native et Flutter.
Alors pour les applications, pour le développement, l'approche, on va dire, hybride, basée sur des frameworks comme Ionic, par exemple, PhoneGap, Mobile First, donc il y a des technologies qui utilisent ce concept. Ben, l'idée, c'est quoi? C'est que toute la logique présentation, c'est-à-dire la logique présentation de l'application, elle est principalement basée sur HTML, CSS, JavaScript. Alors, ça veut dire qu'on va utiliser un rendu, pratiquement un moteur de rendu HTML, pour tout ce qui est la logique présentation. Vous suivez? Alors, pour cela, une application, par exemple, développée avec Ionic, ben, c'est une application dans laquelle vous écrivez 100% du HTML, CSS, JavaScript. Mais après, quand vous utilisez l'outil Cordova pour générer l'application native, soit Android, soit iOS, soit Windows Phone, quand vous exécutez l'application, alors l'application, qu'est-ce qu'elle fait en fait? L'application native. Alors l'application native. Bon, ce qu'il fait, c'est que tout simplement, par exemple, si je parle Android, parce que vous le connaissez déjà, vous savez que dans une application Android, donc, vous avez besoin de créer une activité, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quand vous générez la version Android, il vous génère une application Android avec une activité. Mais le soi-disant le main activity, l'activité principale qui va être générée, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser un composant Android, c'est-à-dire qui fait partie des widgets Android, qui s'appelle WebView. En fait, WebView, c'est un composant dans lequel vous pouvez afficher généralement une page HTML et dans lequel vous pouvez exécuter du JavaScript. Donc, ça veut dire que vous avez en quelque sorte un composant WebView de Android qui va être utilisé pour intégrer tout simplement index.html parce qu'une application, par exemple, Ionic, c'est une application de type single page application. C'est-à-dire, vous avez index.html dans lequel on va faire appel à un framework JavaScript, par exemple, comme Angular, comme React.js, comme par exemple Vue.js. Donc, ça, c'est des frameworks qui sont utilisés pour faciliter la partie, en tout cas, de développement, le comportement de l'application, c'est-à-dire la partie JavaScript. Et après, pratiquement tout le reste de l'application, à chaque fois que l'utilisateur interagit avec l'application, il va faire appel à des fonctionnalités JavaScript. Mais vos fonctionnalités JavaScript, quand ils ont besoin d'accéder aux fonctionnalités natives, ils auront besoin de passer via ce qu'on appelle un bridge. Alors ce bridge-là, c'est ce dont j'ai parlé, c'est les plugins Cordova, dans lesquels vous avez deux parties. Il y a une partie JavaScript qui va être invoquée par l'application, et vous avez une autre partie, c'est du Java par exemple, qui va accéder aux fonctionnalités natives du téléphone, comme par exemple la géolocalisation, comme la caméra, etc., etc. Ben, du coup, donc, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, quand on va développer avec Ionic, on est plutôt dans son modèle. N'est-ce pas? Alors, Ionic, c'est un exemple, mais PhoneGap, Mobile First, etc. Donc, c'est des technologies qui utilisent, donc, c'est-à-dire cette approche hybride. Alors, il y a une autre approche qui est différente de cette approche-là, c'est celle qui est adoptée par React Native. Donc, avec React Native, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez une application dans laquelle vous écrivez une application avec du JavaScript, hein, principalement, et dans laquelle on utilise forcément un framework qui est React.js, c'est-à-dire le framework de Facebook également. Et après, par la suite, mais par contre, la logique présentation, c'est-à-dire tout ce qui est la partie les vues de l'application, on ne va pas utiliser du HTML, mais plutôt on va utiliser des composants React natifs. C'est des composants qui sont créés par une librairie de composants de React Native qui vont être utilisés pour, c'est-à-dire implémenter la logique présentation de l'application mobile. Donc forcément, vous appelez des bibliothèques qui sont fournies par React Native avec une logique un peu particulièrement qui est adoptée par React Native. Mais par contre, à chaque fois, ces composants, c'est-à-dire ces composants en quelque sorte JavaScript que vous utilisez pour la logique présentation, ils vont être mappés, ils vont être au moment de l'exécution, ils vont être mappés en des composants widget natifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, dans une application React Native, quand vous affichez par exemple un list view, c'est un list view de React Native, c'est du JavaScript, n'est-ce pas?
Mais ce Listview-là, au moment de l'exécution, il va être soi-disant remplacé, il va être mappé par un vrai Listview de Android. Donc, c'est-à-dire que les composants qui s'affichent dans l'application React Native, c'est des composants natifs. Si vous créez un bouton, par exemple, React Native, il va être remplacé par un bouton Android. C'est-à-dire que les composants qui affichent, en fait, les éléments de l'interface, c'est des éléments, on va dire, natifs. Ce qui fait qu'avec une application React Native, relativement en termes de rendu, d'affichage, c'est beaucoup plus rapide que, c'est-à-dire le rendu HTML. Parce qu'en fait, HTML, CSS et JavaScript, c'est bien pour les adeptes du développement web, il y a des atouts intéressants. Mais quand il y a, par exemple, des applications qui demandent un petit peu, on va dire, une rapidité de navigation ou tout simplement des animations parfois, et il se trouve que ce modèle-là n'est pas très performant. Donc, React Native, il va faire quelque chose qui est plus intéressant ici. Pourquoi? Parce que React Native ne va pas utiliser ce principe-là du WebView pour afficher tout ce qui est HTML, mais tout va s'exécuter en termes de JavaScript. Et c'est du JavaScript qui va essayer donc de faire appel aux composants natifs pour afficher la logique présentation. Mais également, c'est du JavaScript, c'est ce bridge-là, JavaScript également, qui va être utilisé pour interagir avec on va dire, les fonctionnalités native. Mais vous avez toujours un bridge. Un bridge, c'est-à-dire quoi? Votre application, c'est du JavaScript, mais il fait appel à un bridge qui va se charger de traduire les appels JavaScript en appels natifs, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'il y a un mapping qui va se faire au moment de l'exécution de l'application. Alors, en termes de rapidité, de performance relativement, les applications React Native sont, on va dire, plus rapide que les applications Ionic, en tout cas sur un certain nombre de choses. Mais bien sûr, quand je dis baisse plus rapide, c'est parfois, vous ne voyez pas la différence dans la majorité des applications. Que vous fassiez l'application avec Ionic ou bien React Native, presque, vous obtenez presque le même résultat. Mais si vous êtes un professionnel de développement mobile, à un moment donné, vous allez voir que React Native, effectivement, donc il propose quelque chose de plus performant que on va dire, Ionic. C'est clair? Alors, donc, ici, ce qu'il faut noter, c'est qu'avec React Native, la logique présentation, ce n'est pas du HTML, mais plutôt, c'est des composants du widget React Native qui vont être mappés en composants OM widget de natif, c'est-à-dire les composants fournis par la plateforme. Ce qu'il faut noter également, c'est que quand vous exécutez une application React Native, une application mobile, si vous l'exécutez sur la plateforme, par exemple Android, vous allez avoir les composants, on va dire Android. Si vous l'exécutez sur Ionic, vous allez avoir les composants iOS. N'est-ce pas? C'est pas Ionic, c'est iOS. Alors, ce qui fait que c'est-à-dire les éléments de l'interface, visuellement, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Ça dépend en fait, du système. Okay? Alors, l'approche, par contre, de Flutter, en fait, l'approche de Flutter, il est différente par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que Flutter, lui, donc, il ne va ni utiliser du HTML pour faire l'approche, la logique présentation. Et il ne va même pas utiliser les composants natifs qui sont fournis par c'est-à-dire par la plateforme. Mais il va utiliser ses propres composants, c'est-à-dire c'est lui qui va dessiner, il va utiliser sa propre logique présentation pour dessiner les éléments de l'interface de l'application mobile. Donc, ce qui fait qu'une application Dart, plutôt une application Flutter, c'est une application qui est développée avec le langage Dart. Et on va voir tout à l'heure que Dart, c'est un langage qui est compilé et interprété, qui va être compilé en code natif. C'est-à-dire, votre application, vous l'écrivez avec Dart, vous la compilez et vous allez obtenir, c'est des codes natifs Android qui peut être exécuté dans un système Android. Mais également, il est compilé vers des composants natifs qui vont s'exécuter dans la plateforme iOS. Donc, vous avez en quelque sorte des natives ARM code binaire, c'est-à-dire vous avez du code binaire qui est généré après la compilation. Alors, maintenant, pour la logique présentation,
En fait, Flutter, lui, il a créé son propre moteur de rendu. C'est-à-dire tout ce qui est la logique de présentation. Il a créé un moteur de rendu qui est basé sur une librairie qui s'appelle Skia, qui a été d'ailleurs développée par Google, et qui est une librairie qui prend en considération beaucoup de choses en termes de performance, qui fait que ça donne des interfaces graphiques qui sont beaucoup plus rapides et qui utilisent donc des concepts un peu plus avancés en termes de rendu graphique. Alors, ce qui fait que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand vous exécutez une application Flutter, alors vous avez des codes natifs qui vont commencer à dessiner. Mais pour dessiner, cette application, elle a tout simplement besoin de récupérer ce qu'on appelle un canvas, le contexte, le canvas de la plateforme, un composant canvas. Mais à l'intérieur de ce composant canvas, et bien tout simplement, il va commencer à dessiner lui-même, c'est-à-dire tous les pixels. C'est-à-dire tout ce qui est graphique, c'est le moteur de rendu de Flutter qui va le dessiner. Donc, ce n'est plus, on va plus utiliser donc s'appuyer sur les composants qui sont fournis par le framework lui-même, c'est-à-dire le framework de la plateforme. Et la même chose donc pour tout ce qui est la gestion des événements, il fait appel donc à un composant natif pour la gestion des événements. Et pour la communication avec les fonctionnalités natives, donc il va utiliser ce qu'on appelle des channels, qui permettent donc à l'application d'échanger des messages avec les composants natifs. Donc ça, vous le savez, dans des applications natives, par exemple dans Android, à chaque fois que vous voulez communiquer entre les composants natifs, c'est-à-dire les fonctionnalités natives, ça se fait en échangeant des messages. C'est ce qu'on appelle des intents. Alors ces messages-là qui vont être utilisés via ces channels pour pouvoir communiquer avec les fonctionnalités natives. Donc, ce qui fait que l'approche, elle est différente. Donc, voilà la raison pour laquelle que Flutter, en quelque sorte, maintenant, il n'utilise pas de bridge. Il n'a pas besoin d'utiliser un bridge qui va traduire les appels JavaScript en des choses natives, n'est-ce pas? Donc, pourquoi? Parce que c'est déjà du natif, c'est du code natif. Donc, ce qui fait que, en termes de rapidité, vous avez encore une solution qui est relativement plus rapide que React natif. Donc après, pour le moment, maintenant, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va utiliser donc Flutter, Ionic ou bien React Native? Alors, tout dépend du contexte de l'application. Alors, ceux qui ont l'habitude peut-être c'est-à-dire les adeptes du web, c'est-à-dire qui travaillent beaucoup avec des frameworks comme Angular, par exemple, ils vont souvent préférer utiliser donc de l'hybride parce que là, ils trouvent que pratiquement ils restent dans la même logique de programmation et du coup donc c'est plus simple. Ceux qui travaillent, qui maîtrisent déjà, qui travaillent avec le framework React Native pour les applications web, bah, ils vont souvent se précipiter à utiliser React Native parce que ils connaissent déjà le framework plutôt React.js, donc c'est plus simple hein, de développer des applications React Native. Et après, ceux qui cherchent plutôt donc une solution qui est beaucoup plus simple encore, parce qu'en termes de facilité, Flutter, c'est encore plus simple de développer des applications mobiles que plutôt les autres technologies, en tout cas c'est plus léger. Et ceux qui aiment beaucoup c'est-à-dire qui ont déjà l'habitude d'utiliser un langage comme Java et qui ont déjà utilisé du JavaScript, généralement, ils vont trouver que avec le langage Dart, c'est beaucoup plus intéressant à adopter comme langage de programmation des applications natives. Alors voilà, donc ça c'est quelques différences qu'il faudrait noter entre les différentes plateformes. Donc vous notez juste que en fait, Flutter, il utilise un moteur de rendu qui est basé sur la librairie Skia, qui est développée en C++. Donc c'est vraiment c'est des codes natif, donc le moteur de rendu il est développé en C++, donc ce qui fait que vous avez un environnement sur lequel le rendu généralement d'après bon, en tout cas les tests, vous allez le constater vous-même, parce que d'ailleurs on aura à faire une comparaison entre les trois technologies, donc vous allez voir vous-même en quelque sorte quels sont les avantages et les inconvénients de chaque technologie. C'est clair? Des questions? Alors, Dart, d'abord, c'est un langage, parce qu'en fait,
L'utilisation de Flutter, il est lié à l'utilisation du langage Dart, donc ce qui fait qu'il faut comprendre d'abord Dart, quels sont ses atouts. Donc Dart, c'est un langage qui est utilisé pour plein de choses. Donc, vous pouvez l'utiliser pour écrire des scripts simples, mais également vous pouvez l'utiliser pour développer des applications complètes. Ça peut être des applications mobiles, par exemple pour Android et iOS, donc c'est avec principalement Flutter, vous pouvez le faire d'une manière très simple. Vous pouvez développer des applications web, c'est-à-dire en remplaçant JavaScript, quelque sorte. Et vous pouvez également écrire des scripts sur ligne de commande, parfois, vous en aurez besoin. Et vous pouvez faire des développements côté backend, c'est-à-dire le langage Dart, vous pouvez également l'utiliser côté backend. C'est-à-dire, c'est tout un écosystème, c'est une manière de dire, si vous souhaitez rester uniquement, travailler toutes vos applications aussi bien côté backend que front-end avec du Dart, ben, tout simplement, vous pouvez le faire. Alors après, forcément, chacun utilise, c'est-à-dire Dart dans c'est-à-dire dans le côté où il en a besoin. Alors en fait, Dart dispose de deux modes de compilation. Il y a ce qu'on appelle Dart native, qui est utilisé pour les applications qui ciblent les appareils, comme par exemple les appareils mobiles, desktop, les serveurs, etc. Généralement, ça veut dire qu'on compile en code natif. Hein? C'est de la compilation en mode natif. Par exemple, avec les applications mobiles, je compile des codes Dart, c'est-à-dire Dart, il est compilé en code binaire. Okay? Code natif. C'est-à-dire Dart natif comprend deux modes de compilation. Il y a ce qu'on appelle le mode de compilation JIT, Just in Time, et également il y a le mode de compilation AOT, Ahead of Time. Alors c'est quoi la différence? Déjà le mode JIT, donc c'est un mode de compilation, c'est des modes de compilation qui étaient déjà utilisés c'est principalement dans C Sharp, dans la machine virtuelle Java d'origine. Alors, JIT, ça veut dire quoi? Just in time, c'est-à-dire compilation à la volée. Ça veut dire que c'est au moment de l'exécution, c'est-à-dire quand je commence à exécuter l'application, c'est à ce moment-là que le code est converti en code natif. N'est-ce pas? C'est comme, par exemple, dans la machine virtuelle Java, vous écrivez une application Java. Vous la compilez en fait en bytecode, n'est-ce pas? Et après, c'est au moment de l'exécution du bytecode. Alors maintenant, quand vous exécutez une application Java avec la machine virtuelle Java, qu'est-ce qui se passe? Si vous utilisez le mode JIT, Just in Time, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, au moment de l'exécution, chaque instruction du bytecode, il va être converti en langage machine. C'est-à-dire, c'est de l'interprétation en langage machine. Et après, il passe à l'instruction suivante, il la convertit en langage machine. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il exécute, il va interpréter en langage machine. C'est ce qu'on appelle le mode de compilation just in time. Alors, ça peut être utilisé, ça peut être utile dans des situations, c'est-à-dire dans des cas. Mais également, il y a le mode où, par exemple, vous dites, je vais d'abord traduire tout le code en code natif et après, je commence à l'exécuter. Donc, c'est-à-dire que ici vous avez le mode ahead of time, c'est-à-dire on va dire c'est la compilation, on va dire précoce, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire je traduis le tout en code binaire et après j'exécute l'application. Alors forcément, si vous cherchez les performances, c'est dans AOT, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous utilisez le mode JIT, c'est que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au fur et à mesure que j'exécute, je traduis encore vers le code machine, donc ce qui ralentit l'exécution. Mais si vous avez déjà compilé toute l'application en mode natif et après vous l'exécutez, ça veut dire qu'au moment de l'exécution, on n'a plus besoin de faire de la traduction, n'est-ce pas? C'est-à-dire de l'interprétation, en quelque sorte. Alors, la même chose, avec du Dart natif, donc vous pouvez utiliser les deux modes de compilation, soit JIT, soit AOT. Alors, il y a également, donc ça c'est pour les applications web, il y a Dart Web. Alors pour les applications web, en fait, Dart Web comprend à la fois donc un compilateur. Donc pour les applications web, il y a un compilateur Dart Dev Compiler, qui permet d'exécuter et de débugger des applications web
sur un moteur comme par exemple Google Chrome, utilisant un outil WebDev qui permet de faciliter l'exécution, le débogage des applications. Donc ça c'est pour les applications web. Ça peut être utilisé parce que principalement ça a été créé au départ, c'est pour remplacer du JavaScript. Donc c'est-à-dire que votre application directement, avec ce compilateur-là, vous pouvez exécuter vos applications sur un environnement, par exemple web, comme par exemple Chrome. Mais vous savez que quand vous exécutez une application, vous avez besoin de débugger, de suivre sur l'exécution de l'application. En mode développement, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle le hot reload, c'est-à-dire que quand vous faites la modification, l'interprétation, c'est-à-dire le rafraîchissement se fait automatiquement. Donc on a besoin des fonctionnalités qui permettent d'accélérer le développement, ce qui fait que ça peut être très, très utile. Et après, il y a le mode de, on va dire, production. Mais si vous voulez, par exemple, quand vous développez une application web avec Dart, après, si vous voulez, c'est-à-dire la déployer en production, ça veut dire qu'il faut s'assurer que tous les navigateurs, déjà, il doit être optimisé, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, comme toutes les applications, il y a le mode, de, en fait, l'environnement dev, il y a l'environnement prod. Alors, dans l'environnement production, on a besoin d'optimiser le code, mais en même temps, on a besoin d'utiliser JavaScript. Pourquoi? Parce qu'on sait que les navigateurs web interprètent que du JavaScript, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que, en fait, Dart2JS, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de convertir donc du Dart vers du JavaScript. C'est-à-dire que si vous voulez produire une application JavaScript, exactement comme vous le faites avec TypeScript, parce que TypeScript, il fait ça. Vous écrivez une application avec TypeScript et TypeScript, il est compilé en JavaScript. Ben, la même chose, vous écrivez l'application avec Dart et après, il est compilé, il est traduit en JavaScript. Et le Dart2JS, il fait cette opération de traduction en JavaScript, ce qui permet d'obtenir carrément une application complètement 100% avec du JavaScript. Et ça va vous garantir de l'exécuter sur n'importe quel type de navigateur. Et en même temps, c'est du JavaScript qui est optimisé, c'est-à-dire il va supprimer par exemple, toutes les choses inutiles. En tout cas, il y a une opération d'optimisation qui va être faite à ce niveau-là. Alors, maintenant, pour faire du Dart Web, vous pouvez utiliser Flutter Framework, parce que Flutter, il peut être utilisé pour développer des applications mobiles, mais également, vous pouvez l'utiliser pour développer des applications web. Mais également, vous pouvez utiliser Angular Dart. En fait, Angular Dart, c'est quoi? C'est Angular, mais qui écrit en langage Dart. C'est-à-dire pour les développeurs qui utilisent Angular Framework, vous avez deux manières de programmer des applications avec Angular. Soit vous utilisez TypeScript, c'est ce que le plus courant maintenant, ou bien vous pouvez utiliser le langage Dart. Alors, vous voyez donc ici, vous avez deux modes c'est-à-dire Dart, donc vous avez si vous êtes dans un environnement développement plutôt si vous êtes dans un environnement production. Alors, quand vous êtes c'est-à-dire si vous faites du Dart native, ça veut dire que vous avez votre code, il est traduit directement en langage binaire, c'est-à-dire c'est-à-dire de la compilation en code binaire, selon est-ce que vous utilisez soit le mode JIT ou bien le mode AOT. Et si vous faites du Dart Web, principalement, vous allez convertir du Dart vers du JavaScript, ou bien vous pouvez le laisser en mode binaire, Dart, qui va s'exécuter dans un environnement, comme je disais, en se basant sur Dart Dev Compiler. Alors, en fait, une application Dart, donc avant de vous montrer un petit peu quelques spécificités du langage Dart, parce qu'en fait, il faut quand même les connaître. L'architecture d'une application Flutter, une application mobile Flutter. Alors, en fait, dans Flutter, toute la logique de présentation, tout ce que vous manipulez, on manipule ce qu'on appelle des widgets. En fait, les widgets, c'est les composants graphiques. Alors, pratiquement, donc, toutes les vues que vous créez, comme d'ailleurs dans le cas de HTML, c'est un arbre de widgets, c'est-à-dire un arbre de composants graphiques, que vous allez utiliser pour représenter. La logique présentation en tout cas d'une page d'une application mobile.
Alors, par exemple, ici, donc, vous voyez juste un exemple là. Par exemple, ça, c'est un exemple d'une hiérarchie de widgets pour une page dans laquelle le composant racine s'appelle MyApp, le composant qu'on va créer. Lui-même, il va utiliser un conteneur, un composant qui s'appelle MaterialApp. On va voir que MaterialApp, c'est un widget qui permet donc de contenir les composants, les widgets qui respectent, qui implémentent en fait les spécifications de Material Design. En fait, forcément, c'est quelque chose de très important pour les interfaces graphiques. Donc ici, Material App contient un élément qui s'appelle My Home Page, c'est-à-dire une autre page, elle-même qui contient un élément qui s'appelle Scaffold. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et Scaffold, en fait, c'est un composant qui contient deux parties. Il y a App Bar, parce qu'on a besoin toujours d'une barre de la page. Également, on a besoin il y a une partie body dans laquelle on va mettre, par exemple, un élément center qui permet de centrer un texte. Autrement dit, ce que vous voyez là, donc c'est une simple application mobile, une simple application mobile Flutter, dans laquelle, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois tout simplement un message, par exemple, Hello, comme ça. Alors, pour créer une application, en fait, Flutter, une application mobile Flutter. Alors, vous pouvez le remarquer ici. D'abord, une application Dart, d'une manière générale, le point d'entrée, quand vous exécutez une application Dart, ça commence par la méthode main. Et en fait, la méthode main fait appel à une méthode qui s'appelle runApp, qui permet d'exécuter l'application, et vous spécifiez par la suite votre application. Alors, dans notre cas, notre application, c'est une classe qui s'appelle MyApp. Alors, ce que vous voyez là, MyApp, entre parenthèses, on va voir tout à l'heure avec Dart, ça veut dire New MyApp. Alors, d'ailleurs, vous pouvez utiliser soit New MyApp ou tout simplement MyApp, entre parenthèses, c'est la même chose. C'est que vous êtes en train de créer une instance de la classe MyApp. Alors, maintenant, MyApp, c'est quoi? MyApp, c'est ce qu'on appelle un widget. Et on va voir, donc, en fait, un widget, c'est-à-dire, c'est un composant graphique, mais lui-même, ça représente un arbre de composants. C'est une page, si vous voulez, pour moi. Alors, en fait, on va voir tout à l'heure que dans Dart, les widgets, il y a deux types de widgets. Il y a ce qu'on appelle stateless widget et stateful widget. Alors, tout à l'heure, on va parler de la différence entre les deux. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un stateless widget. Donc, vous voyez donc un widget devrait hériter soit d'un stateless widget ou bien d'un stateful widget. Stateless widget, c'est un widget qui n'a pas d'état. On va en fait, alors que stateful widget, c'est un widget qui a un état et dès que son état change, automatiquement la vue se rafraîchit en quelque sorte. Alors, pour les gens qui ont déjà travaillé avec React.js, n'est-ce pas? Dans le principe, c'est que quand le state change, vous avez le rendu va changer. Alors généralement, si votre application s'exécute et dès que l'état change, des données changent, vous voulez que le widget se rafraîchit, alors dans ce cas-là, il faut utiliser ce qu'on appelle un stateful widget. Mais par contre, stateless widget, ce n'est pas le cas. Donc on va revenir tout à l'heure en détail sur cette partie-là. Alors en tout cas, donc, quand vous héritez de stateless widget, on a besoin de redéfinir une méthode qui s'appelle build. Parce que quand cette classe est instanciée, le moteur de rendu graphique de Flutter, il appelle automatiquement la méthode, le framework Flutter, il appelle build. Alors build, qu'est-ce qu'il fait? Il lui transmet le contexte graphique sous forme d'un objet de type build context. Et après, cette méthode-là devrait retourner un widget. Alors, widget, c'est tout simplement un composant. Alors, dans notre cas, on va retourner un objet de type Material App. En fait, Material App, c'est un conteneur. Tout ce que vous mettez à l'intérieur de Material App, c'est des composants qui implémentent, on va dire, le mode, en fait, qui implémentent le Material Design. Vous savez que Material Design, c'est quoi? C'est une spécification qui consiste à créer, en fait, à créer un modèle de graphique qui est très très développé.
Et du coup, donc, si vous voulez utiliser donc, cette implémentation Material Design, donc vous aurez besoin d'utiliser un composant qui s'appelle votre application doit être enveloppée. Votre application doit être enveloppée dans un composant de type Material App. Alors maintenant, Material App lui-même, il a un attribut qui s'appelle Home. Et cet attribut Home, donc qu'est-ce que je vais mettre? Donc je peux mettre par exemple directement le texte. Ici j'ai le cas par exemple ici regardez donc Material App Home et directement donc qu'est-ce que je fais? J'écris un texte mais ce texte là comme je voudrais le centrer alors pour le centrer qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais l'envelopper à l'intérieur d'un élément qui s'appelle Center. Vous voyez donc Center Child Text mais quand vous voyez donc c'est-à-dire cette interface comme ça. Donc c'est une interface qui n'a pas de barre, on va dire, il n'y a pas de app bar, il n'y a pas de body, n'est-ce pas? Donc ça peut, par exemple, si vous voulez créer une application dans laquelle vous voulez dessiner, faire des animations, par exemple un jeu, je ne sais pas quoi, alors vous pouvez rester dans ce contexte. Mais dans la majorité des cas des applications mobiles, vous avez quand même besoin d'avoir, en quelque sorte, une page qui possède une barre, hein, app bar. Mais en même temps, il a ce qu'on appelle un body, dans lequel vous pouvez mettre du contenu. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser un élément qui s'appelle Scaffold. En fait, Scaffold, c'est un widget Flutter, qui est déjà implémenté comme ça, et qui attend quoi? Deux attributs. Il y a AppBar. Alors, AppBar, donc, c'est une instance de la classe, on vient du widget AppBar. Et la même chose, AppBar lui-même, donc il a besoin d'un titre, title. Et ce titre-là, c'est un texte. Alors pour cela, donc j'utilise un widget qui s'appelle texte. Et ce texte, donc je vais mettre par exemple First App, donc comme vous le voyez ici. Et après, quand vous écrivez un texte, maintenant, tout ce qui est les couleurs, tout ce qui est pratiquement. D'habitude, vous utilisez CSS, donc tout ce qui est HTML. Mais ici, donc avec Flutter. Pratiquement, donc, c'est pas la même chose parce que quand vous faites appel à un composant, un widget, vous avez en fait c'est-à-dire vous pouvez lui attribuer ses styles, par exemple ici, background color, par exemple ici, donc c'est l'orange, c'est la couleur. Et la même chose ici dans body, alors dans la partie body, oui. Alors, donc, je disais, donc, un élément scaffold. S'il vous plaît. Donc un élément scaffold, principalement, c'est un élément, un widget qui se compose de deux parties. Il y a app bar, il y a body. Alors dans body, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un texte. Alors maintenant, le texte, je peux écrire directement texte, et j'écris mon texte avec les styles, donc avec style. Vous avez ici donc. Text style, vous avez font size par exemple, et après on peut ajouter la couleur, etc. Donc, ça, c'est des choses que vous allez voir. Mais si vous souhaitez par exemple que ce texte-là soit centré, et bien, tout simplement, on peut l'envelopper à l'intérieur d'un élément qui s'appelle center. C'est comme si en HTML par exemple, si vous mettez center slash center. Ben, c'est presque la même logique, mais en utilisant Dart. Parce que tout ça, c'est le langage Dart dans lequel vous créez des objets. Vous faites que créer des objets. Chaque objet, il y a des attributs. Chaque attribut, ça peut être un autre objet. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors globalement, on va essayer donc de formater toute l'application comme ça. En tout cas, pour la logique présentation. Donc vous voyez, c'est un peu différent de ce que vous avez l'habitude de travailler avec HTML, CSS. Mais en tout cas, c'est presque le même système. C'est clair? Alors vous voyez, ici donc cette application-là. Alors, si vous l'écrivez comme ça, il va être compilé en code natif. Et quand vous l'exécutez comme application Android, ben, ce que vous voyez là, ce n'est pas des composants du framework Android. Ben, c'est des composants qui sont dessinés par le moteur de rendu de Flutter. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, ça veut dire que ici, maintenant, la réussite, on va dire le succès de Flutter, va dépendre de la quantité de librairies graphiques qu'il va fournir. N'est-ce pas? Parce qu'on va plus s'appuyer sur ce qui existe déjà
Donc, il vous fournit des composants qui vont être compilés en mode natif. Donc, ce qui fait, alors comme si la communauté, généralement, c'est-à-dire ces dernières années, a développé beaucoup de composants. Donc, ce qui fait que pratiquement, je crois que vous-même, vous allez le constater, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de développer une application mobile avec Flutter que de la développer en natif ou bien, par exemple, en d'autres technologies. Alors, si on voit la hiérarchie, ici, donc, qu'est-ce que je vois là? C'est quoi l'élément racine? Dans notre cas, regardez, l'élément racine, c'est quoi? MyApp. Alors, MyApp, une fois qu'il est instancié, il contient quoi? Regardez, il contient un composant qui s'appelle MaterialApp. Alors, MaterialApp lui-même, il contient un élément qui s'appelle Scaffold. Alors ici, donc, c'est la page Scaffold. Et dans Scaffold, qu'est-ce que je vois? Je vois Scaffold. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez AppBar et vous avez Center. Donc, AppBar, c'est la barre de titre. Et Center, lui-même, qui contient un élément texte. Donc, de toute façon, c'est une hiérarchie de widgets.